Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons courir une petite pochette. Pour la réaliser, nous avons besoin de 4 coupons pour le tissu principal. De 28 cm par 11. deux coupons pour la doublure de... 28 cm par 18, un coupon pour la anse de 10 cm par 6, une fermeture éclair de 22 cm et du thermocollant pour le tissu principal. On va commencer par assembler le tissu principal. On les positionne endroit contre endroit, on épingle. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on fait attention au sens du dessin s'il y en a. On plie la couture vers le haut du tissu et on va passer une surpiqûre sur chaque tissu. On va plier un de nos coupons au milieu, en droit contre endroit. On va faire un repère de 3 cm sur le haut du tissu et on va tracer une ligne en diagonale. Cette ligne en diagonale, elle doit s'arrêter à 4 cm du bas. On découpe. On va tracer et couper les angles à 4 cm. on va faire la même chose sur le deuxième tissu principal, le tissu doublure et le thermocolon. Nós allons fixer o thermocolon au tissu principal. maintenant on va a la fermeture éclair, on va positionner l'endroit de la fermeture éclair contre do du tissu principal. Ensuite, on positionne l'endroit le, du tissu doublure contre l'endroit du tissu principal et on épingle. On passe une couture au point droit et on va utiliser le pied spécial fermeture éclair. Maintenant, nous allons faire la même chose de l'autre côté de la fermeture éclair. On va passer une sous de chaque côté de la fermeture éclair. Nous allons coudre la hanse, on plie un centimètre chaque côté, on replie au milieu et on passe une couture sur les trois côtés. On va épingler la hanse à un centimètre de la fermeture éclair et on l'épingle uniquement au tissu principal. On passe une couture. Maintenant, on va positionner nos tissus endroit contre endroit. On va ouvrir la fermeture éclair jusqu'au milieu. On va bien aligner les coutures et on va épingler sur tout le tour. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et on va laisser une petite ouverture sur le tissu d'oublure pour pouvoir tourner. Maintenant, on va épingler et coudre les ongles. On va bien aligner nos coutures. On coupe le tissu si besoin et on retourne la pochette. On épingle l'ouverture et on passe une couture. Voilà, notre petite pochette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.